Salut à tous, moi c'est Victor, j'ai 33 ans et je suis canet. Je fais du tennis de table depuis l'âge de 10 ans et le mec là sur la gauche c'est Florian Merien. Florian c'est un ami depuis plus de 15 ans mais c'est également un athlète handisport. Il y a 6 ans à Rio, j'ai eu la chance d'assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques et c'était énorme. Dans 2 ans pile, le dimanche 28 août, aura lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques Paris 2024. Moi j'y serai et ça va être extra. En tennis de table classe 3, Florian tentera d'aller décrocher une nouvelle médaille en simple et une première médaille en double après celle récoltée par équipe avec ses coéquipiers lors des précédentes Paralympiades. Bon, pour l'instant, on est sur une préparation assez light vue de l'extérieur entre les barbecues et les matchs de pré-national, mais à la rentrée, tout commence. Les gars, ouais. C'est parti, c'est direction parti. Camp. Direction la victoire. Bonneville, première victoire de la saison. Inch'Allah. À l'occasion de ces Jeux à Paris, j'ai décidé de vous emmener avec moi pour le suivre et l'encourager dans sa préparation et dans son quotidien jusqu'à ces Jeux à domicile. Mais d'abord, il faut que je retrouve sa maison. Ah, c'était là. Avec Florian, on va vraiment vous parler de plein de choses, que ce soit de son équipe, de son quotidien, de son travail, mais aussi de l'équipe handisport, de ses déplacements, de ses victoires, de ses défaites. On va vraiment aborder tous les sujets. Pour cela, on va essayer d'aller voir le maximum de personnes autour de lui, que ce soit sa famille, ses amis, ses coéquipiers, ses entraîneurs, mais il y aura aussi des invités et des surprises. En attendant, il l'a annoncé il y a quelques jours sur les réseaux, Florian est qualifié pour les championnats du monde à Grenade en Espagne début novembre. Malheureusement, pour des raisons professionnelles, je ne pourrai pas y aller, donc j'envoie mes deux meilleurs reporters, Thierry et Véro, mes parents, en espérant ne rien louper de la compétition à distance. D'ici là, nous avons prévu plusieurs épisodes, de ses premières compétitions jusqu'aux Jeux de Tokyo 2020, pour vous emmener jusqu'à Paris 2024. En fan de sport, il sera aux premières loges, j'en suis sûr, pour suivre les Jeux Olympiques, avant à son tour d'entrer dans l'arène pour les Jeux Paralympiques. Florian, il est partout, il est sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, et même sur LinkedIn. On vous invite tous à suivre ses réseaux sociaux, c'est là qu'on va publier les liens vers les vidéos qu'on fera au fur et à mesure. Vous aurez tous les liens dans la description de cette vidéo, mais également sur son site internet qui regroupe plus d'informations. On n'est pas encore des pros, donc on va essayer de faire un peu ce qu'on peut, mais en tout cas, on espère que ça va vous plaire, que ça va vous intéresser, donc n'hésitez pas à commenter et à nous encourager. Le projet est participatif, alors si vous aussi, vous avez des images ou des vidéos de Flo un peu rigolotes dans vos archives, vous trouverez nos coordonnées dans le descriptif de la vidéo, n'hésitez pas à nous envoyer tout ça. On compte sur vous. Alors je vous laisse avec le générique en avant-première et vous nous retrouverez avec Flo très vite pour les prochaines vidéos.